D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un gameplay de malade. Que je n'ai jamais vu, comme vous avez vu sur le titre, que je n'ai jamais vu sur Clash Royale. Donc regarde un petit peu. Alors en plus c'est même pas un gameplay classique, c'est un 2v2. Donc c'est le gameplay, attendez, le gameplay est juste ici. Voilà, il est là. Donc on va visionner le gameplay, je vais vous parler. Je vais pas accélérer, je vais vous parler pendant ce temps. Donc voilà, 3 minutes de gameplay déjà. Après il y a le temps bien sûr additionnel là, dès que ça arrive après. Il y a 3 minutes plus 3 minutes. Si les deux n'arrivent pas à gagner tout simplement. Donc en gros, un gameplay que je n'ai jamais vu. Alors peut-être en solo, enfin peut-être en 1v1, peut-être que ça peut arriver des fois, mais en 2v2, vous allez voir, c'est vraiment un choc. Pour les deux, pour les quatre personnes qui sont sur le jeu, sur le gameplay, il y aura un choc. Et pendant quelques secondes, vous allez voir que personne va jouer. Personne va jouer parce que personne va comprendre pourquoi il y a eu ça. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'en fait, voilà. J'ai jamais vu ça. Et d'ailleurs, vous avez pu, si vous avez regardé vite fait en dessous du gameplay, vous avez pu voir les personnes qui ont joué. Ils ont parlé après, ils ont dit comment ça se fait, etc. Donc voilà. Donc vous allez voir un petit peu pourquoi. D'ailleurs le gameplay en soi n'est pas extraordinaire, c'est surtout la fin qui est vraiment incroyable. Donc on va accélérer un petit peu. Mettons x4, on va arriver au temps additionnel. Enfin au temps additionnel. Au temps extra plutôt, je crois que c'est ça. Ouais, temps extra. Qui est également de 3 minutes. Hein. Donc quand vous faites un 2v2 ou un défi, et que vous faites. Imaginons vous faites 3 minutes plus le temps extra. Donc attendez, je remets à 1. Imaginons vous faites 3 minutes plus le temps extra. Ça fait quand même 6 minutes de gameplay. C'est quand même pas mal. Enfin 6 minutes de gameplay. 6 minutes de jeu. C'est quand même pas mal quand même. 6 minutes de jeu. Imaginons vous faites 3 games comme ça. Ça fait quand même 20 minutes quasiment. 20 minutes quasiment. C'est quand même pas mal. Donc là il y a pour l'instant il y a un 0. Enfin il y a un partout. Pardon, excusez-moi. Il y a un partout. Donc là je vais accélérer un petit peu. On va se retrouver. Donc là vous voyez pour l'instant. Pour l'instant ce qui se passe c'est qu'en fait. Donc là il y a le ballon qui va arriver. Donc là pour l'instant ceux de mon clan gagnent. Mais vous allez voir qu'ils vont revenir. Donc pour l'instant la tour est descendue à 900 points de vie. Il y a le boost qui arrive. Donc là on est au temps extra comme vous avez vu. On est à 2 minutes 40. Donc là il met le cochon. Enfin voilà en gros ils essayent de gagner tout simplement. Donc là 900 points de vie sur la tour d'en face. Et donc là il va avoir une petite contre-attaque. Une petite contre-attaque qui va arriver avec les barbares d'élite, évidemment les barbares d'élite qui arrivent et le ballon. Le ballon quand même qui est voilà. Si vous défendez pas le ballon, vous allez avoir du mal. Donc là le ballon qui va toucher la tour me semble-t-il. Ouais, le ballon qui touche la tour du coup ça fait quand même pas mal de dégâts. Ça fait voilà 300 de dégâts en plus, donc on va arriver à 800 quasiment, ouais 960. Le chaud de cochon qui arrive, qui fait un petit peu de dégâts, donc la tour descend à 700, là elle descend à 450. Là attendez, je m'épose. Il reste donc un peu moins de 2 minutes, 800 points de vie en face, en haut, et 450 environ points de vie en bas. Donc là, je vous laisse la suite du gameplay. Donc là, il reste 115, vous allez voir, c'est le moment fatidique, enfin le moment impressionnant arrive bientôt. Donc là, il reste 115 points de vie en bas, et 808 points de vie en haut. Regardez un petit peu. Donc là, il y a chevaucheur de cochon, il y a le feu à gobelin. Donc ça fait pas mal de dégâts, il y a également le bulliste. Donc là un petit peu de dégâts, on arrive à 700 points de vie, il y a le chevaucheur de cochon qui arrive mais là il fait aucun dégât. Donc là on arrive à 600, donc là je me pose, regarde un petit peu, il y a le feu à gobelin, 638 points de vie, il y a le chevaucheur de cochon. Donc là regarde un petit peu. Donc là il met le sorcier, la tour, regardez la tour d'en haut et regardez la tour d'en bas. Donc là, regardez la tour d'en haut. La tour d'en haut descend à 290 points de vie. Et même plus parce qu'il reste encore un petit gobelin. Voilà, la tour descend à 174. Regardez un petit peu. Donc là pour l'instant toujours 115 points de vie. Et donc la boule de feu, deux, regardez, vous avez vu. Vous avez bien vu. Deux boules de feu qui arrivent en même temps. Je sais même pas s'ils avaient fait exprès, etc. Deux boules de feu. Je pense pas. Non, ils ont pas fait exprès parce qu'ils le disent après. Dans le clan, ils disent comment ça se fait, etc. Vous avez même vu que là, d'ailleurs, ça avance alors que j'ai mis sur pause. Vous avez vu? Ça fait un bug en plus et tout. Oh, c'est trop stylé. J'ai mis sur pause. Bref.
C'est trop stylé, attendez, je vais faire un petit screen pour la miniature. Bref, en gros, truc de malade, ils mettent boule de feu en même temps, il reste 250 points de vie en haut, 100 points de vie en bas. Du coup, truc de malade, en plus là je mets sur pause, ça fait un truc de... je découvre encore un truc quoi. Je découvre encore un truc, vous avez vu ce truc, ça fait un truc stylé. Waouh. Un truc trop stylé. Bref, du coup, regardez ce qui se passe. On arrive, donc là je laisse le temps à x1, vous allez voir ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font après. Donc voilà, là le temps passe, ils rigolent. Et là ils se disent, comment ça se fait? Normalement, vous savez que normalement il y a un joueur, enfin normalement il y a une équipe qui a gagné de 1/2 seconde de plus. Du coup, ben, ça se finit. Et donc là pendant 6 secondes, 7 secondes, 8 secondes, 9 secondes, 10 secondes, 10 secondes ils n'ont pas joué. 10 secondes ils n'ont pas joué, ils se disent comment ça se fait, il y a un bug, etc. Et donc là ils vont repartir, ils vont recommencer à jouer. Ils vont recommencer à jouer, ils se disent tiens, ben, on recommence à jouer. Donc voilà, 15 secondes après ils recommencent à jouer. Et donc là, il reste 1 minute. Et évidemment la game va se finir avec une victoire bien évidemment. Mais voilà, c'est assez impressionnant. En plus là vous avez vu, j'ai mis sur pause et les deux bombes ils ont éclaté. Enfin ils ont fait un truc bizarre. Je trouve que c'était plutôt stylé. Mais en gros voilà, deux boules de feu en même temps. Je sais que des fois ça peut arriver en 1v1, mais en 2v2 en plus. Je crois que je sais pas si le jeu a bugué. Il faudrait que je demande si le jeu a bugué ou pas, parce qu'ils ont pas joué pendant quand même 15 secondes. Donc ça m'a l'air quand même assez impressionnant de pas jouer pendant 15 secondes. Et donc voilà, magnifique gameplay en tout cas. Bon voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse sur la fin, il reste 30 secondes. Je vous laisse sur la fin. En tout cas voilà, vraiment un truc de malade. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo à tout le monde. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao ciao, je vous laisse sur la fin, j'accélère un petit peu peut-être. Allez, ciao ciao.